Coucou, je vous fais une petite, enfin non, je vous fais une vidéo, on va commencer par dire petite parce que bien souvent ça dure plus longtemps que ce que j'ai prévu. Parce que je viens de faire un aller-retour action, voilà, je travaille du soir, je commence à 13h30 et mon mari au réveil il m'a dit tu vas aller chez Action? Bon, ben pourquoi pas, parce que je lui ai dit je cherchais un bloc en particulier que je n'ai pas trouvé, c'est un bloc 30-30, celui avec les signes, bien entendu, et j'ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé celui-ci. Voilà, c'est pas trop dans mes couleurs habituelles, hein. Mais quand je l'ai feuilleté, il y a du Vichy, je vais vous montrer, hein. Il y a quand même ça, je me dis, pour mettre un signe blanc par-dessus, c'est pas mal, il y a du petit pois, donc forcément, c'est pas mal. Non, c'est des petits cœurs, mais ça fait un peu des petits pois. Là, ça fait comme des cartes de Project Life, là, il y a des petits motifs roses. Voilà, je vous le montre assez vite fait. Là, c'est du motif assez léger. Ou même pour faire les fonds d'embellissement et tout. Ça, c'est trop mignon. Là, les toutes petites fleurs. Là aussi, c'est pas mal, ça passe. Comme tout est coordonné, donc c'est plutôt pas mal. Là, il y a un uni qui est très joli. Là, c'est des fleurs. Pareil, pour mettre un gros motif blanc. Pourquoi pas. Bon, ces deux-là, je suis un peu moins fan. Alors le Carpe Diem est très beau mais il est trop gros, je vais rien en faire. Voilà, j'espère que derrière il y a un truc qui me plaît. Ah bon, c'est bon. Derrière il y a ça, du fond bleu avec des petits pois. Là c'est des bandes, donc c'est pas mal. Ça, des bandes qui rappellent tout le reste. Là des très jolis petits pois sur un fond bleu marine. Hop, voilà. Je vous montre vite fait, hein. Celui-là est très mignon. Celui-là aussi. Donc je me dis dans l'ensemble, bon, il y a quand même pas mal de trucs assez sympas. Bon, là, c'est des grandes cartes de Project Life. Pas sûr de m'en servir. Mais l'autre côté, du coup, comme l'autre côté, c'est les petits pois. Il n'y aura pas de, problème. J'utiliserai. Donc c'est le Floral Dream. Si vous le cherchez. Moi, je cherchais celui qui est rose avec les signes. Je ne l'ai pas trouvé. Tant pis pour moi. J'ai pris... deux paquets de transfert pour mettre sur du tissu parce que mamie est en pleine couture et mamie a l'intention de faire des tote bags, donc je me suis dit quand on va aller en vacances pourquoi pas faire des transferts, lui demander de faire, je sais pas, avoir des idées, enfin de toute façon quand on est à deux on a beaucoup plus d'idées et je me dis pourquoi pas faire des choses avec le tissu, le transfert. Et je me dis, si on en a besoin, on va vouloir aller en chercher, on va pas en trouver. Donc j'ai pris deux paquets d'avance. Voilà, j'ai pris ça, puisque la dernière fois, on en avait pris. Et, elles ont disparu, c'est magique. Gâteau apéro, machin, comme d'hab. J'ai repris des bases de cartes. Voilà, j'ai pris deux. Comme ça, dans lesquels il y a du rose, du rouge, du rose et du beige, il me semble. Donc ça, c'est des bons basiques. Hein. J'ai pris deux paquets. Celles-ci, elles font 13 cm sur 13 cm. Et j'ai pris des pastels comme ça, en plutôt allongés, qui font... je ne sais pas... Ils disent que c'est des formats A6. Bon, format A6, hein, voilà. peut-être si je prenais ma règle, mais j'ai pas ma règle sous les yeux. On va essayer de regarder avec mon tapis. Ça fait à peu près du 10 cm sur... 10 sur 15. Parfait. Parfait, parfait. Bon, ça, c'est pour le quotidien. Alors, attendez. Voilà, je mets sur moi, ça sera plus facile. Et je vous montrerai, il y a un nouveau sac, il est mignon. Bon, ça aussi, hein, c'est pour le quotidien. Ensuite, bon, on a retrouvé, ils avaient fait pendant un moment des nouilles asiatiques comme ça. Donc, il y a celle-ci au saté, poulet au saté. Celui-ci au poulet teriyaki. Voilà, et celui-ci... Pad Thai chicken, bon, poulet pad thai, hein. Je sais pas. Et on a pris deux de chaque.
Voilà, deux bleus, deux roses et deux violets. Tac. Et tac, c'est très passionnant. On a repris des gâteaux à pion comme ci. Des gâteaux à pion comme ça. Des tucs. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé ça. Alors, je suis pas fan en général des perles comme ça. Vous voyez, des gros lots comme ça, faut trier et tout, c'est chiant. Mais il y en avait dedans qui me plaisaient quand même assez bien. Les petits ronds, les petits strass en rond et tout. Bon, il y a des petits cœurs, des. Je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis, éventuellement, pour à trier et mettre dans les checkers. Mais bon, ça va être une vraie galère à trier ça. Voilà, genre je vais sûrement les mettre, trouver un bocal, un vieux bocal de confiture que je garde et je vais sûrement les mettre dedans parce que là sinon je vais en mettre partout. J'ai repris deux blocs comme ça, voilà. J'ai cherché le bloc qu'on m'a demandé, le petit 15-15, je ne l'ai pas trouvé, ils n'avaient pas remis depuis la dernière fois. Donc c'est que du marbre mais il y a des reflets dorés, donc c'est plutôt pas mal. Bon, je vous montre pas spécialement, hein, ça vous les... Vous avez vu et revu et revu. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça, des bonbons? Oh. Deux paquets de bonbons, des petites grenouilles et des petites pêches. Voilà. Et ensuite, bon bah, des trucs de filles. Voilà, hein, c'est pas la peine que je vous montre. Et j'ai quand même pris ça, il n'y avait que celui-là. Je suis pas du tout colorisation. Mais celui-ci me plaisait quand même assez bien. Les couleurs sont, bah voilà, c'est du rose et tout ça. Et je me dis pourquoi pas de temps en temps essayer, voilà, essayer, apprendre à faire des dégradés et tout, bon, on verra. New Aqua Twin Marker. Effet aquarelle. Enfin bon, il n'y avait que ça, il n'y avait que celui-là, donc ça tombait bien. Ça aurait été du vert ou du bleu, j'aurais probablement pas pris. Mais c'était du rose et je l'ai pris. Voilà, donc c'est rapide. J'ai pas trouvé mon bloc, bah tant pis, je le trouverai certainement une autre fois. Et sinon, je voulais vous montrer sur Amazon, je me suis commandé une ramette de papier. Hop, une bonne grosse ramette de papier Clairefontaine. C'est du 160 grammes. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Mais je me dis ça pour toutes mes découpes, pour mes fonds, pour tout ce que j'ai à faire. Parce que de toute façon, même je peux en mettre les unes, enfin même mes bases d'albums, enfin je les mets les unes à la suite des autres. Et ça fait assez bien. Alors donc j'en ai sorti une juste pour tester. Elle est quand même assez épaisse, c'est du 160. Bon, c'est pas hyper rigide, hein. Moi, il faut reconnaître, c'est pas non plus, voilà. Mais... pour faire ce qu'on fait en général, franchement c'est pas mal. Le rose, c'est un rose bébé comme j'aime, donc nickel. Voilà, pour le lien, je sais que vous allez me demander, je sais pas, le lien c'est ramettes de papier. Je vais voir si je peux vous le trouver vite fait là, et si je vous le trouve, bah, je vous donne ça tout de suite, ou je le mettrai en barre d'infos. Enfin, mon ordinateur n'est même pas connecté encore. Bah Amazon. Je vais regarder dans mes commandes et je vais vous dire ça. Déjà, je vais vous donner le prix parce que je suis sûre qu'on va me le demander. Pardon, c'était pas donné. Ouais, je vous préviens quand même que c'était pas donné. Commande. Livraison, c'est quoi ça? Non, ça c'est livré hier. Clairefontaine, c'était quand même 18 euros, hein, la ramette de papier. Voilà, vendu par Stock Bureau Maison. Stock Bureau Maison Bien-être. Alors, c'est du Clairefontaine, ramette de 250 feuilles de papier, 160 grammes A4, 210 x 297, bon, 21-29-7. Hein. Voilà, et rose. Donc en général, vous tapez ça et vous avez plusieurs propositions
et ça va vous obligatoirement, ça va vous proposer ou celle-ci ou une autre. Voilà. Je l'ai commandé le 29 mai, c'est arrivé hier, donc c'est assez rapide. Et c'est un très très beau papier, vous voyez, c'est du rose, comme par hasard. Voilà, sinon bah, au niveau des dies et tout, c'était toujours la même chose. Les rayons étaient quand même assez vides hein, pour un samedi matin, hein. Je trouve que c'était quand même super vide. Mais c'est pas grave, hein. J'ai pas trouvé mon bloc, mais comme je vous dis, celui-là il est assez sympa. Et puis voilà, puis c'est pas la fin du monde si je le trouve pas non plus. Hein. Allez, je vais vous laisser, une petite vidéo rapide, j'espère qu'elle va se télécharger assez rapidement pour que je puisse vous la mettre tout de suite là en partant, parce que je pars d'ici une demi-heure, donc ça risque d'être un peu chaud. Je vous fais des bisous, je vous laisse, je télécharge et je vous dis bon après-midi à tous, à bientôt.